Voici la suite. Voici la suite de l'astuce que je voudrais vous donner pour ceux qui ont des diplômes, ceux qui avaient des diplômes supérieurs, ceux qui avaient étudié à haut niveau, ceux qui ont des diplômes, ceux qui ont appris à faire quelque chose, mais pourtant ils n'ont pas eu de bon travail, ils n'ont pas eu une bonne job pour effectuer. Voilà. Ils ont travaillé, ils ont étudié, mais pourtant il n'y a pas de bonnes choses à leur niveau. De malchance les accompagne. Voilà, je suis là aujourd'hui pour vous donner une astuce très puissante et naturelle contre tout ceci. Voilà, regardez ceci très bien. Regardez ceci, regardez les plantes. Vous n'avez pas besoin de venir chez moi. À part cette astuce, vous pouvez me contacter pour un autre problème. Mais pour cette astuce, vous pouvez réaliser ça. Et chez vous-même, regardez très bien. Ceci, c'est la feuille d'hysope. Pour réaliser cette astuce que je voudrais vous, que j'aimerais vous donner, pardon, et vous pouvez réaliser ça chez vous-même. Voilà. Regardez ceci. C'est la feuille d'hysope. On est d'accord? C'est la feuille d'hysope. Ceci. On l'appelle Chrysichysima dans notre langue maternelle, on l'appelle Chrysichysima osimum. Dans la langue française, on l'appelle osimum. Dans notre langue maternelle, on l'appelle osimum. Et dans notre langue maternelle, on l'appelle Chrysichysima. Voilà, Chrysichysima. Vous allez chercher Chrysichysima à une quantité. Madaro. Voilà. Regardez ceci, c'est la feuille d'hysope et abébément, dans notre langue maternelle, on l'appelle abébément, la feuille d'hysope. Ceci, on l'appelle coclosu d'impatien, et dans notre langue maternelle, on l'appelle coclosu d'impatien, et héliotropium, dans la langue française, on l'appelle héliotropium. Je vous ai déjà montré ça dans mes vidéos passées. Dans mes vidéos parce que j'avais effectué, je vous ai déjà montré ça. Héliotropium, voilà, héliotropium, coclosu d'impatien. Ceci, on l'appelle vivima dans notre langue maternelle. On l'appelle vivima abrus. Dans la langue française, on l'appelle abrus. On l'appelle abrus vivima. Voilà. Donc, vous allez chercher vivima et abrus là. En plus, héliotropium. En plus, chrysichysima qui se nomme osimum. Osimum. Dans notre maternelle, dans notre langue maternelle et pardon et abébément feuille d'hysope, excusez. J'ai oublié de vous montrer, de vous présenter ceci. Ceci on appelle akunkoma, sema, sema. Écharus, dans notre langue maternelle, on l'appelle akunkoma sema, écharus, vous voyez. Donc, vous allez chercher toutes ces feuilles que je suis venu vous montrer. Vous allez chercher toutes ces feuilles-là. Vous allez glisser, vous prenez une bolle. Quand vous prenez une bolle, mettez de l'eau dans la bolle, dans un seau d'eau. Vous cherchez un seau d'eau et vous mettez de vous remplissez de l'eau dans le seau d'eau. Et vous cherchez toutes ces feuilles que je suis venu vous montrer. Et vous prenez tout ceci, vous mettez ça dans le seau d'eau et vous allez écraser. Vous allez écraser, vous allez écraser jusqu'à la couleur de l'eau va changer. Si vous avez bien écrasé, allez à la douche et prenez votre douche. Naturellement, sans éponge. J'ai bien dit, sans éponge. Écrasez bien les feuilles dans l'eau simple. Écrasez toutes ces feuilles dans l'eau simple. Et allez à la douche et faire votre douche. Allez vous laver avec l'eau de purification que vous avez effectuée. Et c'est fini. Ceux qui avaient des diplômes, qui n'ont pas eu un bon travail,
ceux qui travaillent dans la politique, ceux qui ne trouvent pas de travail, ceux qui avaient des bons diplômes, des diplômes de haut niveau, qui ne trouvent pas de travail à faire. Essayez d'appliquer cette astuce, c'est très puissant naturel. À part ceci, si vous avez besoin d'une autre chose, vous pouvez me contacter plus 229-06, plus 229-69-06-20-06-61. Voilà. Merci beaucoup, je vous remercie. Et à